Pour donner un exemple de ce qu'on va aller chercher en pièces polypropylène, on va avoir le pare-choc avant, le pare-choc arrière. On va avoir ce qu'on appelle ici les pare-boues. Bon, là, ils ont déjà été déposés. On va les pare-boues. Et on a les équipements intérieurs, comme la console, comme les bas de marche, les garnitures de pied milieu et les montants de pare-brise. C'est pas un long fleuve tranquille, c'est-à-dire qu'en permanence, il faut analyser quels sont les cours des matières, analyser quel est le marché de la pièce détachée d'occasion. On ne peut pas se dire, sur tous ces modèles-là, systématiquement, je vais prélever ça et je serai tranquille. Non, parce qu'en fait, vous devez tenir compte de l'évolution du marché. Certains modèles vont petit à petit disparaître, donc ça ne sert à rien de démonter de la pièce pour la stocker et ensuite la remettre en matière. L'économie de cette filière, du traitement du véhicule électrique, va nécessairement passer par une seconde vie de la batterie. Si on ne pense que recyclage, on sait qu'aujourd'hui, qu'économiquement parlant, ce n'est pas viable. C'est-à-dire le recyclage d'une batterie électrique coûte aujourd'hui.